Bonjour et bienvenue à cette autre édition de Diaspora Show. Il sera question tout au long de cette édition de culinaire. Nous sommes à Strasbourg et une seconde fois, nous revenons à Strasbourg pour le tarot vestimentaire et spectaculaire. C'est une initiative d'une compatriote qui a décidé de mettre sur pied un tel concept, question de renouer cette diaspora du Grand Est avec son culinaire. Je l'ai placé sous le thème de la rose verte, la rose qui ne fane pas, de par la décoration qui va avec, toute simpliste. Donc voilà, étant donné que j'essaie de développer du traditionnel au moderne, donc voilà, je l'ai placé vraiment sous le thème de la rose verte. Mais au menu, on avait le traditionnel tarot obstaculaire et vestimentaire. Hein. On avait aussi donc l'encondré avec la queue de bœuf. Hein. Il y avait également du poulet DG, un menu enfant, donc voilà, du poulet, des brochettes et des beignets. Et bon, beignets du chenou, hein, donc voilà. Mais la question, qu'est-ce qui fait courir? Honnêtement, je ne sais pas. Mais je crois que c'est Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Très honnêtement, c'est au-delà de mon expérience. Donc pour moi, je crois que c'est juste Dieu. Voilà. Ce qui a retenu pour moi, c'est ne jamais me baisser face aux obstacles. Parce que les obstacles, peu importe le temps, deviennent toujours des avantages. Donc voilà, le tarot obstaculaire et vestimentaire de Tata Bibi, c'est juste pour dire qu'il faut rester dans la résilience, surtout le courage et l'abnégation. Ne jamais me baisser les bras. Il y aura toujours des obstacles. Et ça, il faut les affranchir. Voilà, c'est tout. J'ai eu la preuve parfaite encore pour l'organisation. Mais ce qui est arrivé est arrivé. Donc, ça se transforme en avantage. Je pense que les convives ont été heureux, malgré quelques soucis. Donc, voilà. Thank you.
Notre invité pour cette édition de Diaspora Show n'est autre que Guy Parker, promoteur culturel du côté de Francfort en Allemagne, 6e édition de la Sexy Gala Night. Alors Guy Parker, bonjour. Bonjour Hilaire. Alors Guy Parker, d'où est née l'idée de monter un tel projet de la Sexy Gala Night qui vous amène aujourd'hui à sa 6e édition? Voilà, je dirais que... Hilaire, je dirais d'abord que la 6e édition, comme vous avez constaté, n'est autre chose que la 6e fois que j'organise, n'est-ce pas, ce thème de Sex Ladies Night. Mais cela ne voudrait pas dire que c'est la 6e édition de mes soirées. Donc j'ai déjà fait autant de soirées, mais parmi les thèmes que le Balafon, qui est le label que je représente, organise depuis 10 ans, j'ai opté pour celui-là, de l'organiser une fois par an. Donc, Sexy Ladies Night, c'est justement un thème que j'ai voulu... En fait, c'est une déclinaison du Balafon sous d'autres formes, si on comprend bien. Non, en fait, le Balafon, c'est mon label événementiel avec lequel je fais des événements à Francfort en Allemagne depuis 10 ans. Et le Balafon a eu à organiser beaucoup d'autres événements avec des thèmes différents, mais à la fin, on a sélectionné Sexy Ladies Night pour le faire annuellement. Donc, pourquoi? Parce que justement, pour valoriser la femme. Au départ, je le faisais entre mars et avril, qui coïncidait avec la Journée internationale de la femme. Et après, pour, n'est-ce pas, l'épanouissement des femmes, nous avons voulu que baptiser Sexy Ladies. Les femmes pour que les femmes se sentent sexy dans leurs accoutrements. Ok. Alors, on a une 6e édition assez spéciale avec de très grands noms d'artistes et puis des invités de marques qui sont venus de très 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 loin pour participer à ce bel événement. On sort de là quand même satisfait, heureux, fier. Oui, il faut le dire, la 6e édition, comme je l'ai baptisée édition spéciale, fut un succès, tout le monde l'a vu. Et les gens sont venus, comme tu l'as dit, de partout, c'est-à-dire des États-Unis, d'Europe, pour ne pas citer ici même du Cameroun. Donc ça est toujours comme ça, c'est une particularité de Balafon, que les invités viennent de partout. Et c'est ça la particularité de Balafon. Et il faut le dire, c'est les gens même, on dirait qu'on déporte carrément tout le monde, en fait, toute la diaspora en Allemagne, à Francfort. Voilà, donc... Cette édition fut un succès et je ne le sais pas moi qui le dis. Vous étiez là, vous-même, vous l'avez constaté. Et comme les autres années précédentes d'ailleurs. Voilà. Nous sommes à Strasbourg aujourd'hui et vous et moi, nous sommes venus pour assister à une autre édition, n'est-ce pas, du tarot spectaculaire et vestimentaire. Mais que vous inspire un tel thème
qui est quand même sur place depuis et qui fait courir beaucoup de monde ici du côté, n'est-ce pas, de Strasbourg. Ouais, je dirais que ce thème est un thème assez spécial quand même, parce que Biscottine, que je connais bien, qui est d'ailleurs une amie et qui vient toujours du côté de Francfort aussi me soutenir lors de mes événements, et j'ai toujours j'ai été quand même impressionné de voir que elle a commencé comme des blagues, mais qu'aujourd'hui ça a pris une ampleur au point où tout le monde est là, tout le monde, les gens se déplacent de partout pour venir également, n'est-ce pas, déguster ce tarot qui a non seulement est un tarot, mais qui est accompagné de la culture, qui a un thème selon le, vous voyez, j'ai une touche aujourd'hui, même si je suis en veste, j'ai une touche traditionnelle, et vous avez constaté que tous les invités sont habillés en tenue traditionnelle. Ça veut dire on a respecté le code. Manger du tarot avec un peu de tradition, ce n'est que autre chose que extraordinaire. Donc voilà. Au regard de ce qui a bien pu se passer dans cette magnifique salle, hein, aussi bien décorée avec un coin photo traditionnel, on a vu qu'au-delà du tarot, on a des mecs comme Lunkondré, on a vu le DG aussi qui est un maître typiquement camerounais. Mais pourquoi les Camerounais, pourquoi les Africains accourent ainsi pour ce qui est du culinaire? Mais il faut le dire, le Cameroun regorge justement de beaucoup, je veux dire, à une variété culinaire. Et nous qui sommes ici en diaspora, nous n'avons pas toujours la possibilité, n'est-ce pas, de manger ces mets-là tout le temps. Mais pour ceux qui sont peut-être dans d'autres pays comme la France et tout, ils ont peut-être la facilité. Mais nous autres qui sommes en Allemagne ou encore qui sont ceux de la France qui sont plutôt en province, n'ont pas cette facilité-là de retrouver les mets, n'est-ce pas, la cuisine africaine et camerounaise en particulier. Moi particulièrement, je viens de l'Allemagne, comme j'ai dit, je peux faire des mois, si je ne déplace pas dans une grosse métropole comme Paris, je n'aurai pas l'occasion de manger, n'est-ce pas, africain et camerounais. Donc, l'occasion qui nous est donnée, Biscottine, de festoyer en même temps en mangeant, n'est-ce pas, camerounais, ce n'est que quelque chose de spécial et on ne peut que encourager. Voilà. En sachant que je suis un habitant de Strasbourg, c'est la première fois que j'y assiste et vraiment c'est une très 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 bonne idée de faire ce tarot. On n'a pas l'habitude de se voir tout le temps et de faire ce genre de choses. Et sur le plan culturel, c'est très bien. Moi, je soutiens beaucoup Biscottine, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps dans la culture. Et franchement, c'était bien, il y avait du monde, c'était bien organisé. Et en tant qu'habitant de Strasbourg, je le redis, c'est une très bonne chose à refaire. Voilà, c'est la deuxième édition du tarot spectaculaire de Lady B. On y était il y a un an. Voilà, c'est la deuxième année. Tout ce que je peux dire à ma sistou, ma sœur de Banjoun comme moi, c'est de continuer dans la même lancée parce que ça nous fait revivre la culture africaine, spécialement d'où nous sommes bantous, et étant à l'Occident, parfois on perd un peu de la culture. Donc de vivre cet événement, ça nous fait nous rappeler d'où on vient, d'où nos cultures, la culture que nos ancêtres nous ont appris, de continuer avec et aussi de donner cette culture, de l'apprendre à notre progéniture qui sont nos enfants. Moi, j'apprécie toujours ce concept et je viens toujours avec les enfants pour vous féliciter. Ma sœur, je sais que c'est pas évident d'organiser un événement pareil en Europe avec des difficultés, vu que nous tous on a des préoccupations, de couper de son temps et venir vivre cela, c'est enrichissant. Bonjour, moi c'est Sonia Labeille sur Strasbourg, coiffeuse professionnelle. Voilà, je suis justement à cet événement de tarot chez Biscottine. Franchement, j'ai juste kiffé, tout s'est très très bien passé, on a adoré les plats, le service, franchement tout était magnifique. Bonsoir déjà, moi c'est Kudieu Edwige, c'était magnifique et la présentation était super. Et je conseille à d'autres mes frères de venir manger prochainement. Qu'est-ce qui change dans le goût, dans la saveur? Est-ce que vous ressentez une sorte de différence avec ce qui se fait
du côté du terroir, j'allais dire du côté du Cameroun principalement. Oui, mais comment je vais dire ? Moi, je pense que quand on est une bonne cuisinière, une bonne comme biscottine ou encore, je ne pense vraiment pas qu'il n'y a pas une grande différence, n'est-ce pas, que de manger africaine, camerounais, comme j'ai mangé aujourd'hui et ce que je mange au Cameroun. Voilà pourquoi les gens peuvent faire des kilomètres, des centaines de kilomètres pour venir lorsqu'on parle de la cuisine camerounaise en particulier. Donc, moi, je me suis senti au Cameroun, je me suis senti en Afrique, je me suis senti chez moi et comme beaucoup d'autres ailleurs. Mais sauf que, justement, comme je disais tantôt, il n'a pas que fait du Camerounais typiquement, mais il a aussi un peu mélangé avec les DG et autres, parce qu'il n'y a pas que des Camerounais dans la salle. Il faut le dire, il y a aussi des Européens. Il y a quelques Européens qui sont là, mais beaucoup sont aussi curieux de découvrir la culture, la cuisine camerounaise. Alors, c'est ça qui explique que vous puissiez effectuer pratiquement 500 à 600 kilomètres pour venir seulement déguster du taro du côté de la France? Non, mais comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas que du taro qui était au menu. Donc, il y avait... c'était un mélange de tout. C'était un package, comme dit. Donc, biscottine a su mettre, n'est-ce pas, la culture, la cuisine et le design et beaucoup d'autres choses. Parce qu'il faut le dire, c'est un mélange, c'est un package, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, celui qui est venu aujourd'hui juste s'amuser, il y avait en fond sonore de la belle musique et maintenant autour, n'est-ce pas, d'un plat et avec ce design là, décoration traditionnelle, culturelle, ça ne fait que c'est quand même quelque chose de particulier. Donc il y a tout ça, n'est-ce pas, qui a poussé justement ces invités, n'est-ce pas, à être là aujourd'hui nombreux. Et il faut aussi ajouter que Biscottine, c'est quelqu'un qui est assez aimable, assez comment dirais-je, populaire, assez qui draine du monde. Donc du coup, on ne vient pas seulement parce qu'il faut venir manger ce tarot là, mais derrière ça, il y a aussi la personne qui va avec. Moi, le 18 de ce mois, au 18 mai, je joue à Leipzig, c'est en Allemagne. Le 3 et le 4, je joue en Chypre, invité par ma petite sœur chérie, Fafa de cœur, c'est une chanteuse. Et le 25 janvier 2025, je ferai du live à Paris par Christine Diquet, la Mave. En tout cas, elle-même sait où elle a mis son pied. Non, c'est juste parce que c'est ce que je vis en fait. Par exemple, le pied du bébé. D'aucuns diront que eux, ils voient un autre pied dans leur tête. Pourtant, moi, je ne parle que du petit pied du bébé. Mais après, si j'ai quelqu'un qui a le pied du bébé, pourquoi ne pas le dire à voix haute? Parce que si je sens bon, je vais seulement crier sur tous les toits. Non, c'était auparavant. Mais j'ai fait la paix avec toutes mes belles-mères. Parce que je ne vous mens pas, j'ai un suivi de belles-mères. C'est la vie. Moi, je vois que la musique se porte bien. Pour moi, la musique se porte bien. Je ne sais pas parce que je pointe, hein.
Mais c'est parce que moi, j'ai pas de problème avec quelqu'un. Et puis, les musiques qui viennent, les anciennes, les nouvelles, moi, je prends tout. Surtout que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont de bons messages. Et le rythme est bon, la mélodie est belle. Et puis moi, je reste toujours jeune. De toute façon, vous savez, j'ai le chemin de... voilà, du truc. Moi, je fais pas ce constat. Je fais pas ce constat. Il est bien vrai, je fais la musique facile parce que quand je vois comment on produit les personnes, même, je ne vais pas juger quelqu'un, mais ma part, je dis que, ok, si Tchakala essaye un peu de chanter, parce que je ne vais pas dire que je sais chanter, parce que j'apprends toujours à chanter, mais je fais quand même les efforts et moi j'accepte. À apprendre. J'accepte d'apprendre. Et il y a certains qui ne veulent même pas apprendre à chanter, mais qui sont produits, qui ont même les producteurs. Eux, ils n'ont pas d'effort à faire. Donc moi, j'ai dit que si je peux seulement faire un peu, moi, ça me va. De toute façon, moi, la musique d'aujourd'hui, d'avant, tout me va. Tout me va. Par exemple, Lady Ponce, tout le temps, nous sort les musiques qui nous font toujours danser. Elle change les beats, elle a les trucs, Ngombi, même les trucs, elle fait un changement. Donc, moi, je ne vois pas où il y a un problème. Et, par exemple, la soirée que Maître Jeannot Ngamou a organisée à Paris, l'apothéose, il a invité 4 bons artistes. Comment on va dire que la musique ne se porte pas bien? Pour moi, la musique se porte bien. Il faut seulement que les gens osent. Il faut qu'on nous prenne au sérieux. Vous voyez, Maître Jeannot Ngamou a réuni l'Afrique. Oh, je suis fière. Moi, je suis vraiment mieux placée pour parler parce que j'ai vu la salle avant qu'il y ait les gens et après maintenant, la salle était inondée. Bon, avant même qu'il y ait la soirée, avant qu'on arrive le soir, la nuit, il y avait déjà un problème de surplus de personnes. C'est parce que les gens ne croient pas. Certains ne croient pas en nous. Vous voyez, il a osé. Maintenant, il y avait un problème de surplus de personnes. Comment est-ce qu'on va ranger les personnes qui ont eu les billets en surplus? Je pense qu'ici, la salle comportait peut-être 2000 à 2200. Oui, mais on a fait plus. C'était plus. Ils ont cherché comment faire pour rajouter les gens, donc faire un surplus de personnes. Maître Jeannot Ngamou, tu es un monstre. Dernier mot à Diaspora Show. Diaspora Show, vous avez toujours l'habitude de me recevoir, mais aujourd'hui c'était pas, il y avait pas trop d'émotion. J'ai pas pleuré aujourd'hui. Et merci d'être toujours là, Diaspora Show. Merci d'être toujours là pour moi, vraiment. Je vous souhaite longue vie. Même mon dernier clip, ma voisine et moi. C'est Diaspora Show qui a fait le truc. Je ne sais pas si c'est le truc qu'il faut. Il faut continuer avec le truc. Ou bien j'arrête avec le truc. Merci. Thank you.
Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Diaspora Show. Tu n'es pas coupable, mon frère. Je t'aime, somebody, je m'aime, somebody. Je t'aime, somebody, je t'aime, somebody. Je t'aime, somebody, je t'aime, somebody. Je t'aime. Je t'aime. Est-ce que ça va? Oui. Ok. Et à le réseau. Et à le réseau. Le mix, c'est bon. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.